Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nascripal. En dessous, je vous invite tous à vous abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. C'est le témoignage puissant 75. Et ici, un occultiste va nous rapporter des anomalies spirituelles, des choses bizarres qui se sont produites spirituellement parlant que lui-même ne comprenait pas, il ne comprend pas. Et franchement, nous-mêmes, nous essaierons de comprendre avec lui sa situation. Alors, soyez prêts. Si vous aimez la vidéo, ce témoignage, laissez un j'aime tout simplement et let's go. C'est parti. Tout a commencé une nuit alors que je dormais à l'hôtel Hilton. Je fis un D'accord. terrible rêve. Je me vis traverser un marécage à pied. J'arrivais à un endroit impraticable où je commençais à m'enliser petit à petit. Je m'enfonçais ainsi jusqu'au cou, alors que j'appelais désespérément au secours. Un homme très fort, à la stature de géant, vint à mon secours. Il se tenait debout sur le marécage mais sans s'enliser ni se salir. Il me retira sans peine et me donna de l'eau pour me laver. Mais comme j'étais dépassée par ce qui venait de se passer, il prit lui-même soin de moi et me lava jusqu'à ce que je sois bien propre. Puis il me donna d'autres habits en me disant de ne plus m'aventurer dans ce marécage, parce que c'était un endroit dangereux. À mon réveil, ce rêve ne me dit rien. Je pensais que ce n'était qu'un simple rêve. Dans la matinée, D'accord. après les incantations matinales et les rites occultes, mon maître me donna le programme de la journée. Je pris le téléphone et réservai une place sur le vol de 14h30 à destination de Douala. À midi, l'hôtesse de la Camer m'appela au téléphone pour me dire que ce vol était repoussé à 17h. Finalement, je ne partis que vers 22h30. Arrivé à Douala, il me fallut passer la nuit à l'hôtel Lila. Je dus donc emprunter un taxi à l'aéroport. Je m'assis sur la banquette arrière en compagnie de deux autres clients, mais je portais sur moi une somme de 600 000 francs CFA. Avant le carrefour Saint-Michel, juste en face de la station service Avia, l'homme qui était à côté de moi me passa une main autour du cou. En me pointant un poignard sur le ventre, il me dit « Si tu ouvres le bec, je vais te faire voir tes intestins. » Le chauffeur stoppa brusquement la voiture. Ils me fouillèrent systématiquement et raflèrent tout ce que j'avais. L'autre homme ouvrit la portière pour me faire sortir. Le chauffeur engagea la marche arrière. Et la portière me frappa sur le côté gauche et je roulai sur le trottoir et je me suis évanoui. Je me réveillai plus tard à l'hôpital La Quintigny où j'avais été conduit par des passants. Le docteur me dit que j'avais une côte brisée. Elle avait perforé les chairs et provoqué une hémorragie interne. Une foule de pensées s'agitèrent en moi. Je me posais mille et une questions qui restaient sans réponse. Moi qui croyais être l'homme le plus puissant de la Terre, pourquoi me trouvais-je ici sur ce lit d'hôpital? Je réfléchis pour voir si je n'avais pas respecté un interdit, mais tous avaient bien été respectés. Mais alors, pourquoi le démon Biz qui était mon compagnon ne m'avait-il pas averti du danger? Cet événement devait certainement signifier quelque chose. Satan était-il fâché contre moi? Pourtant ma puissance était toujours en moi. Que s'était-il passé au juste? Des larmes ruisselaient le long de mes joues. Mon maître fut averti de ce qui m'était arrivé. Quelques minutes plus tard, il retourna en Inde. Il y avait une confusion immédiate dans le royaume de Satan. Cet événement étant survenu brusquement car il n'avait plus contrôle sur moi. Plusieurs tentatives furent faites par le monde de Satan pour me prendre et m'amener en Inde pour me traiter, mais aucun démon ne put m'approcher. C'est vers la soirée que le démon Biz m'annonça que la légion de démons venus pour me prendre de l'hôpital et me ramener en Inde n'avait pas pu m'approcher. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Le prince des démons devait venir à la nuit tombante pour intervenir en personne. Vers 23h30, à l'heure où tous les esprits mauvais se mettent au travail, Biz m'annonça l'arrivée du prince des démons. Je fis plusieurs tentatives pour pénétrer dans le monde astral. Mais rien ne se fit selon mes intentions. Une puissance me retenait sur mon lit. J'étais cloué sur place. Le bâtiment dans lequel nous étions commença à bouger, ma vision même devint plus réduite. Le prince des démons fit tout ce qu'il put pour entrer dans l'hôpital où j'étais, mais sans succès. Ni mon corps, ni mon âme, ni mon esprit ne réussirent à partir. Le lendemain, après le passage du docteur, l'infirmier vint me poser des questions sur ma famille. Il me dit, « Est-ce qu'ils sont au courant de cet accident ?»« Tu dois être transféré à l'hôpital général, la côte cassée a occasionné beaucoup de dégâts, il y a une inflammation grave et tu dois être opéré. » À ces mots, mon âme se troubla. Je savais que puisque j'étais dans le monde des ténèbres, si on m'opérait, je devrais mourir. Et le chirurgien qui ferait cette opération serait tué sur le champ. Dès qu'il allait m'ouvrir le thorax, la souris que j'avais avalée avec beaucoup d'autres choses occultes allait provoquer une destruction massive. Je demandai plus tard à l'infirmier de me laisser sortir, parce que je préférais suivre un traitement indigène et me faire masser.
mais il me fit plein de complications disant que mon cas était grave et qu'il y avait une inflammation interne. Après mon transfert à l'hôpital général, une fois les formalités remplies, ce jeune infirmier se proposa de m'aider à rentrer à Edeya, mais je devais retourner à l'hôpital général 7 jours plus tard. Avant mon départ, je constatais que ma puissance occulte avait déjà diminué. Je ne pouvais plus faire de voyage astral, sortir de mon corps en esprit. Je me demandais quelles étaient cette force qui était en train de me décharger de ma puissance. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était la grande main puissante du Seigneur Jésus qui était sur moi, et que sa grande puissance se manifestait déjà en moi. L'infirmier sortit quelques instants plus tard pour aller chercher un véhicule qui devait me déposer chez ma belle famille à Edeya. Le parcours de Douala vers Edeya fut catastrophique. Je vis des légions des démons les plus puissants intervenir pour tenter de m'enlever et me ramener au temple de l'Inde pour me guérir. Ils essayèrent de projeter la voiture sur le côté, mais une autre puissance maintenait la voiture sur la chaussée, à l'entrée du pont sur la Dibamba. La voiture fut stoppée net, les démons avaient dévié la route, mais j'étais le seul à le voir. Le chauffeur voyait plutôt un pont imaginaire devant lui. S'il avait suivi cette vision et s'était engagé dans cette fausse direction, nous serions tombés directement dans le fleuve avec la voiture. C'était le plan du diable pour m'enlever. Un quart d'heure plus tard, j'entendis un grondement terrible, et je vis la route reprendre sa place habituelle sur le vrai pont. Des milliers de démons tombèrent dans le fleuve. La voiture qui s'était arrêtée à cause d'une panne inconnue redémarra à l'instant même. C'est une chose merveilleuse de voir le Seigneur intervenir. Je pensais constamment à mon maître. Je ne savais pas que c'était le Seigneur qui était intervenu. Je croyais que Satan ne voulait plus de moi. J'avais peut-être commis une bêtise. Voilà pourquoi il m'avait fermé les yeux et avait rendu bise le démon qui me protégeait inopérant. Oui, mon maître ne voulait plus de moi. Il avait peut-être trouvé quelqu'un d'autre plus puissant que moi. C'est la règle dans le monde des ténèbres. Les faibles n'y ont pas de place. Ils sont toujours détruits. Je conclus donc que c'était mon maître qui voulait me détruire, et que Satan m'avait protégé, parce qu'il m'avait dit lors de notre dernière rencontre qu'il admirait ma puissance, et que j'avais conclu un pacte avec lui. Ce maître indien ne pouvait donc rien faire contre moi. 1000 questions venaient ainsi dans mes pensées, mais alors qui s'opposait aux puissances des ténèbres? Je n'avais pas de réponse à cette question. Après avoir traversé le pont, le chauffeur me dit à plusieurs reprises qu'il ne savait pas exactement ce qui se passait depuis notre départ de Douala, mais que quelque chose n'allait pas. Arrivé à Edeya sur le premier pont, je vis mon maître indien au beau milieu du pont, et le diable qui se tenait de l'autre côté du pont. La route avait été en partie déviée par le diable lui-même. À l'entrée du pont, la voiture fut interpellée par un barrage de police. Pendant que le chauffeur discutait avec les policiers, il se produisit un éclair semblable à un flash accompagné d'un grondement terrible. Après le grondement, je vis que la route avait repris sa place normale sur le pont, et que le diable et mon maître indien avaient disparu. Au même moment, les policiers rendirent au chauffeur les papiers du véhicule et la voiture passa le pont sans problème. Le deuxième pont sur la Sanaga fut également traversé sans encombre. Aucun démon ne pouvait plus m'approcher. Que se passait-il au juste? Tout à l'heure, j'avais bien vu le diable avec mon maître qui ont tenté de me prendre. Quelle était donc cette puissance qui barrait la route à Satan? Cela ne pouvait être que Dieu. Mais que venait-il faire là-dedans? Pourquoi se serait-il intéressé à moi? Au début, je pensais que c'était mon maître qui voulait me détruire, et que Satan était mon défenseur, mais je les avais aperçus tous les deux sur le pont. Cela voulait dire qu'il y avait quelqu'un d'autre qui s'intéressait à moi. Si je ne pouvais plus faire de voyage astral, est-ce que cela pouvait être à cause de Jésus? J'ignorais toutes les choses de Dieu. Je savais simplement qu'il existait, et qu'il était l'adversaire de Satan. Satan nous parlait de Dieu en le tournant en dérision. Il blasphémait plutôt, affirmant qu'il était lui-même le Tout-Puissant. C'est cette doctrine de Satan qui m'avait toujours fait négliger la puissance de Dieu. Il n'y avait que la présence de Bise qui me réconfortait et qui me faisait dire que tout irait bien. En arrivant à Edeya, je me demandais encore pourquoi Satan n'avait-il pas réussi à me prendre de l'hôpital s'il était le plus fort. Qu'allait-il maintenant se passer? Bise reconnut plus tard qu'il y avait une autre puissance qui s'opposait toujours à la nôtre et à nos activités, mais que le diable avait toujours eu raison. Il me dit de ne pas m'inquiéter. Je me disais, si cet être qui avait combattu tout à l'heure mon maître et Lucifer pouvait au moins me parler. S'il s'intéresse vraiment à moi, et s'il est plus puissant que Satan, pourquoi ne se montre-t-il pas? Peut-être m'aime-t-il parce qu'il a vu ma puissance, hein? Dans le monde des ténèbres, tout appartient aux puissants. Satan nous disait qu'il était le plus puissant, et cela se voyait. Mais qui avait donc combattu Satan sur le pont tout à l'heure? Son adversaire principal était Dieu. Mais qui était donc Dieu? Satan nous disait que c'était un prétentieux, qui avait envoyé un faiblard son fils qu'il avait exécuté sur la croix.
Satan affirmait qu'il détruirait Dieu et son fils de la même manière. Cette pensée de Satan me réconforta de plus belle. Dieu ne pouvait être qu'un lâche puisqu'il ne voulait pas se montrer. Satan m'aimait. Il allait intervenir et résoudre mon problème, parce qu'il est puissant. Mais je me demandais pourquoi je n'arrivais plus à sortir de mon corps. Cet homme a été endoctriné d'une manière que, pour lui, Satan, c'est Dieu. Et Satan, c'est la bonne personne. Et ce qui se passe ici est vraiment grave, grave de chez grave. Ah, mais là, les choses empirent au point où ce dernier ne peut plus sortir de son corps. Il est Dieu lui-même. Écoutez-le. Parce qu'il est puissant. Mais je me demandais pourquoi je n'arrivais plus à sortir de mon corps. Mon esprit était toujours bloqué dans mon corps. À notre arrivée, ma belle-famille fut désolée de me voir dans cet état. Elle ne savait pas exactement qui j'étais. Elle savait tout simplement que je travaillais avec des Indiens, pour de simples guérisons et travaux occultes. Ma fiancée n'avait jamais su que j'étais profondément engagée dans le royaume de Satan. Puisque toutes les apparences étaient respectées, elle croyait me voir manger normalement, mais en réalité je ne mangeais rien. Elle me voyait agir entièrement comme une personne normale l'aurait fait. Parfois même un démon prenait mon apparence et se reposait à ma place à la maison les jours où j'étais occupée en Inde ou dans le temple sous-marin de Satan, et donc le lendemain au quartier d'amour à Edeya. On me trouva un praticien qui pouvait masser ma côte cassée. Il reçut 5000 francs CFA pour cela. Un soir alors que je me préparais à me coucher, Bise me fit comprendre que nous devions partir en Inde cette même nuit parce que le diable avait repris l'avantage sur la force qui nous opposait. Cette nouvelle m'irrita. Si je disparaissais cette nuit, qu'allait dire ma fiancée, ma belle famille et mon cousin qui était propriétaire de cette maison? Ils ne pourraient jamais me pardonner. Je ne voulais surtout pas que ma fiancée sache qui j'étais exactement. Je pris donc la résolution d'annoncer mon départ à ma fiancée, et de lui dire la vérité concernant mes activités dans le monde occulte. Bise me demanda de ne rien lui dire. Une grande colère m'envahit. Je lui reprochai le fait que je ne pouvais plus contrôler mes pensées. Mais cette nuit-là, les démons étaient supposés venir me prendre pour m'amener en Inde. Et alors que j'étais couchée la nuit chez ma belle famille, je vis notre maison entourée d'une forte muraille. À l'extérieur de la muraille, j'ai vu des légions de démons qui essayaient de traverser cette muraille. Les démons retombaient, repoussés en arrière par une puissance étrange. Je ne pouvais toujours pas comprendre l'origine de la force qui opposait les légions de démons envoyées par Satan pour me prendre. Le lendemain matin, je vis que le massage n'avait produit aucun effet, et je sentais mon thorax chauffer terriblement. Après 7 jours, il me fallut rentrer à l'hôpital général de Douala. Mon retour ne fut pas aussi mouvementé que l'aller, je fus donc hospitalisé. Le docteur avait envisagé une opération chirurgicale, mais, quelques jours plus tard, mon maître le premier ministre de Satan vint se présenter physiquement avec des papiers officiels pour me prendre en charge et me faire transférer ailleurs. Le diable avait planifié de m'enlever au moyen de ce transfert, puisque l'enlèvement par voie occulte avait échoué. Pendant que mon maître parlait avec le médecin qui était aussi un occultiste dans le bureau, deux anges de l'Éternel firent irruption dans ma chambre. Ils me dirent qu'ils étaient venus me parler de la puissance de Dieu. Comme j'avais une envie folle d'avoir encore plus de puissance, je leur dis, « C'est bien, allez-y. » L'un des anges me dit alors ceci, « Dieu t'aime, il veut te sauver. Il ne veut pas que tu sois détruit avec Satan. » Je lui posai alors la question suivante, « Mais qui peut détruire Satan ?» L'ange me dit que Dieu avait déjà un plan préparé pour le diable, et qu'il le réaliserait au moment prévu. Il ajouta, Satan a la liberté de faire tout ce qu'il veut pour le moment, mais Dieu seul sait quand il mettra fin à l'existence de Satan et de son royaume. Je lui demandai s'il pouvait me donner une date. Il répondit, Dieu seul connaît cette date, mais si tu restes inconscient de ton état, ou si tu n'écoutes pas ce que nous sommes en train de te dire, tu seras détruit avec le diable. Mais Dieu ne veut pas te détruire car tu es sa créature, mais tu n'es pas encore son enfant. J'interrompis ces anges aussitôt, en les disant que ce n'était que des mensonges. Il m'affirma que c'était le contraire, en me citant des versets bibliques pour me montrer que Satan me trompait. Il me décrivit aussi tout ce que j'avais fait dans le royaume des ténèbres. Je dis alors à l'ange, « Si Dieu m'aime tant comme tu le dis, alors qu'il se présente, je voudrais avoir affaire à lui-même en personne. J'ai tout un lot de questions à lui poser. Quant à sa puissance, j'aime travailler avec les plus puissants. » Le diable l'a tellement endoctriné que ce dernier ne peut plus croire à personne. Vous voyez ce qui se passe? Et lui, c'est une grande personne. Imaginez ce que le diable m'a fait à nos enfants.
Au travers de la télévision, les dessins animés, comment le diable a réussi à entretenir les humains? Ah, mes frères et sœurs, vous serez étonnés, on ne peut plus en savoir plus. Mais tant qu'il veut parler à Dieu lui-même, vas-tu le voir? Allons plus loin pour savoir plus. Un lot de questions à lui poser. Quant à sa puissance, j'aime travailler avec les plus puissants. L'ange me dit, pour rencontrer Dieu, tu dois accepter son fils Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors tu rencontreras Dieu. Comme j'avais envie de rencontrer Dieu et de voir sa puissance, j'étais prêt à accepter n'importe quelle condition. Pourtant, quelque chose m'intriguait, et je me préparais à faire la remarque suivante. Satan nous a toujours dit qu'il a tué le soi-disant envoyé de ce Dieu prétentieux. Comment se fait-il qu'il puisse être mon sauveur? Si le Jésus dont vous parlez est le même que l'envoyé ce Dieu prétentieux, alors ce n'est plus la peine de continuer à me parler de lui. L'ange, comme s'il avait lu mes pensées, commença à m'expliquer le mystère de la mort de Jésus, mais le démon Bise aussi me parlait en moi, me disant que ces anges me racontaient des mensonges abominables, mais puisque je voulais rencontrer Dieu en personne, je n'allais pas me laisser arrêter par cette seule condition qui était de reconnaître Jésus-Christ comme sauveur. Devant ces deux anges, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Les anges me demandèrent de répéter Jésus est mon Sauveur. Et de continuer à le répéter intérieurement, ils m'exhortèrent de commencer à lire chaque jour la Bible si je voulais vraiment rencontrer Dieu. Si vous voulez rencontrer Dieu, mes frères et sœurs, répétez à l'intérieur de vous, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur. Même en direct, en dessous de cette vidéo se trouve dans la partie description, Jésus-Christ est mon seul sauveur. Lisez et répétez ça. Dieu va entrer dans votre cœur et lisez la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique et vous verrez, vous allez rencontrer Dieu. C'est extraordinaire! C'est une belle expérience que je vous invite à découvrir. Quelques instants après, ils sortirent de ma chambre. Un instant après, mon maître le premier ministre de Satan entra dans ma chambre. Après avoir longuement dialogué avec le docteur, dès qu'il fut entré, il commença à faire des incantations pour tenter une fois de plus de m'enlever par voie occulte, mais rien ne se produisit. Je compris immédiatement que c'était Jésus qui combattait. Les anges m'avaient dit qu'ils m'aimaient. À partir de ce moment, le démon Bise ne parvint même plus à capter mes pensées. Il me dit plus tard qu'il ne s'était jamais senti aussi mal à l'aise depuis qu'il habitait dans mon corps. À ce moment-là, je sentis monter dans mon cœur comme un flot le courage de présenter ma démission à mon maître. Les mots sortaient comme un torrent. À vrai dire, je ne savais pas si c'était vraiment moi qui parlais. Je lui dis, Maître, je sais que tu m'aimes, mais je suis contraint de te quitter. Je te présente ma démission. Cela ne vient pas de moi, mais de mon Créateur. On m'a dit qu'il m'aime et qu'il est le plus puissant. On m'a demandé de reconnaître Jésus-Christ comme mon Sauveur. À ma grande surprise, mon maître, le premier ministre de Satan, disparut subitement. Il reparut 3 minutes plus tard en se plaignant de ce genre de comportement. Il me dit que cela allait me coûter très cher. Tu seras sévèrement puni. Tu as écouté des mensonges. C'est la douleur qui te fait peut-être délirer. Je vais partir et à mon retour, tu auras changé d'idée. À cet instant même, Bise me dit que le roi Satan était déjà furieux contre moi, qu'un pareil dérèglement se payait par la mort, et que je serais détruit pour cet acte de trahison. Cet avertissement me plongea de nouveau dans un terrible désespoir. Heureusement que mon maître, le premier ministre de Satan, avait déjà payé tous mes frais d'hospitalisation avant ma démission. 2 heures plus tard, le docteur vint m'annoncer que mon transfert avait été décidé. Je dis au docteur que je venais de démissionner. Il n'en croyait pas ses oreilles. Comme il ne savait pas ce qui se passait, il me traita de fou et me demanda tout simplement de partir. Je sortis donc de l'hôpital. Je me demandais où donc était Dieu, le Tout-Puissant dont on m'avait parlé. On m'avait donné les conditions qu'il fallait remplir pour rencontrer Dieu. La première condition était de reconnaître que Jésus était mon sauveur du diable, puisque j'avais conclu des pactes. J'appartenais donc encore au royaume de Satan. Si je ne rencontrais pas Dieu, le diable pouvait m'abattre quand il le voulait. Mais je me dis en moi-même que si Dieu m'aimait, il allait se manifester. C'était sans doute ma puissance qui l'attirait à moi. Je marchais entouré de toutes sortes de démons, mais ils ne s'approchaient pas. Bise ne me parlait plus, mais il était toujours en moi. Dès que j'eus démissionné, Bise était devenu mon adversaire. Il me torturait et m'étouffait tout le temps. Le premier ministre de Satan m'apparut encore à intervalles réguliers pour tenter de me convaincre de changer d'avis en me proposant de l'argent et toutes sortes d'avantages. Je dus donc rentrer à Edéa. Il n'y eut plus aucune difficulté sur la route. Je voulais toujours rencontrer Dieu.
et je me posais toujours des questions. Où est-il donc? On m'a dit qu'il m'aimait beaucoup. Mais il me fallait aussi remplir l'autre condition qui était de lire la Bible chaque jour. J'avais déjà commencé à le faire, mais chaque fois que je touchais à une Bible, le démon bise qui était en moi tentait de m'étouffer pour m'empêcher de la lire. Je souffrais terriblement, 2 jours après ma démission. Je posais cette question à ma fiancée. Accepterais-tu que je démissionne de mon association avec mon maître Satan? Je voudrais travailler avec Dieu. Elle me dit que c'était son souhait et qu'elle priait pour cela. Comme je voulais rencontrer Dieu, je lisais la Bible du matin au soir. Partout dans la Bible, on ne faisait que parler de la puissance de Dieu et de Jésus, mais tout ceci ne me suffisait pas. Je voulais le voir de mes yeux comme je voyais Satan. Mon état de santé empirait de plus en plus. La mort approchait. On me conduisit chez un guérisseur à Macondo, mais il fut incapable de me soigner. Il avait fixé son prix à 180 000 francs CFA, et exigea de recevoir d'avance 80 miles, un poulet, et d'autres choses encore. Mais il avait peur de moi. Il ne pouvait pas sortir son esprit de son corps lorsqu'il était à côté de moi, car mes incantations l'auraient fait mourir. Toute personne qui tentait de le faire était mise à mort aussitôt. Il me dit alors qu'il allait faire appel à ses collègues. Mais comme je connaissais tout du royaume des ténèbres, je savais que personne ne pouvait me soigner. Si ce n'est mon maître et Satan lui-même, Satan dispose de toute une armée. Lui-même est le général en chef. Mon maître occupait une position semblable à celle d'un colonel. Même est le général en chef. Mon maître occupait une position semblable à celle d'un colonel, et moi à celle d'un lieutenant-colonel. Comment de simples soldats sans grade auraient-ils pu me soigner? Le lendemain, je dis à ma fiancée qu'il fallait que nous rentrions à Edeya. Si Dieu voulait m'abandonner, je préférais mourir là-bas, ou dans le train qui me ramènerait à Edeya. Pendant le voyage, je vis plusieurs démons féroces qui avaient reçu la mission de me tuer. Quelle chose terrible! Je vis aussi mon maître dans le train. Était-il venu me tuer? L'image du pont me revint en mémoire. Je me dis que si Dieu avait déjà empêché que notre voiture tombe dans le fleuve, il allait aussi arrêter mon maître, s'il avait encore des intentions semblables. Quelques secondes plus tard, mon maître disparut de ce train. Je suis sûr que Dieu était à mes côtés. 2 jours plus tard, à Edeya, pendant mon sommeil, je vis un homme qui avait la forme de mon père mort m'apparaître et me dire « Il paraît que tu es malade ». Je répondis que je n'étais pas malade. Il insista pourtant, et quelques instants après me montra l'écorce d'un certain arbre que je devais aller chercher dans un endroit précis pour que je sois guéri. Je me réveillais et racontais ce rêve à ma fiancée. Dès 5h30 du matin, je partis pleinement persuadé que cette écorce allait me guérir. Arrivé sur les lieux derrière les anciennes usines Sélucam, dans cette grande brousse, je trouvai l'arbre en question. Alors que je commençais à enrapper l'écorce, une main toucha mon épaule. Subitement, je me retrouvais dans un autre monde, en compagnie de l'homme qui m'avait touché l'épaule, un monde merveilleux. Moi qui connaissais le monde des ténèbres, le royaume de Satan sous la mer, son luxueux temple, et ses laboratoires, je vis que tout cela ne pouvait pas égaler la splendeur de cette cité. L'homme qui m'accompagnait était lui-même d'une beauté unique. Je ne pouvais même pas le fixer du regard, tant son éclat était éblouissant, comme celui du flash que j'avais vu briller sur le pont. Pendant quelques secondes seulement, je sentis la peur me pénétrer jusqu'au haut. La ville était illuminée de l'éclat de sa propre lumière. Je vis une rue en or, des maisons en or. Aucune ville au monde n'est tracée de la sorte. Nous pénétrâmes dans un grand bâtiment flamboyant fait d'or pur. Il y avait là des gens tous occupés à travailler. Les équipements ressemblaient à ceux d'un central téléphonique. L'homme donna un ordre, et je vis avec surprise toute l'assistance disparaître subitement. Oui, Jésus-Christ est le coordonnateur d'une organisation hautement structurée. Dans cette cité, on respire non seulement la sainteté, mais une pureté merveilleuse. Un écran géant apparut brusquement devant moi. Cet homme me dit, « Dieu t'aime, et aujourd'hui tu deviens son enfant, c'est-à-dire mon enfant. Tu étais dans le monde obscur de Satan, tu connaissais son royaume et tu étais son enfant. Maintenant tu deviens mon enfant et tu connais mon royaume comme tu as connu celui de Satan. Regarde comment tu marchais dans ce monde, et comment mon armée a combattu pour toi pendant toute ta vie. » Et tu verras ce qu'il faut faire pour recevoir la puissance de Dieu que tu désires tant. C'est l'Esprit Saint qui exerce sa puissance sur les hommes, et c'est lui que tu dois avoir comme ton arme principale. Sur l'écran, je vis des princes des ténèbres qui se déguisaient en anges pour combattre la parole de Dieu, et qui trompaient les chrétiens, les dirigeants, les non-convertis, et les chrétiens vivant dans le péché. Sur l'écran apparaissaient des versets bibliques qui correspondaient à ce que je voyais. Toutes les paroles que cet homme prononçait s'appuyaient sur la Bible. Cet homme qui était Jésus-Christ me dit qu'il était le Dieu que je cherchais.
le sauveur que j'avais confessé à l'hôpital devant les anges. Il me dit qu'il était l'Esprit Saint qui parlait en moi lorsque je présentais ma démission à mon maître à l'hôpital. Il me dit, « Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, je ne suis pas en toi, et tu n'as pas Dieu en toi. » Je vis dans sur cet écran comment les anges de Dieu avaient combattu pour moi. Avant mon agression, la puissance divine est au-dessus de toute autre puissance. Deux jours avant mon agression, j'ai regardé l'armée du Seigneur avait pris position pour moi. Je marchais au milieu des anges de Dieu. Tout était bien ordonné et bien tracé. Je revis le vol que je devais emprunter, la voiture qui devait me conduire, et les hommes qui devaient m'agresser. Je vis comment le monde des ténèbres était alerté. Quelques minutes après mon agression, je vis que j'étais entouré par une muraille d'anges. Avant même que les passants me découvrent couché sur le trottoir, il y eut un violent combat entre les démons qui venaient me chercher et les anges du Seigneur. Ce combat se poursuivit jusqu'à l'hôpital. Un premier bataillon de démons fut vaincu, puis un second, ainsi que le prince des ténèbres et toutes sortes de dominations. Le royaume des ténèbres était dans une confusion totale. Je vis sur l'écran minute après minute les démons les plus féroces qui venaient pour m'enlever de l'hôpital. Alors que j'étais sur mon lit d'hôpital, je vis un ange me bloquer pour m'empêcher de sortir de mon corps en esprit pour accomplir les œuvres des ténèbres. Je ne pouvais plus faire de voyage astral, et je pouvais voir sur l'écran que j'étais l'objet de combats entre le royaume des ténèbres et l'armée céleste. Puis un ange messager parut à l'écran. La projection qu'on regardait avec Jésus s'arrêta brusquement, et une force semblable à un vent violent m'emporta et me cloua au sol. Je commençais à vomir tout ce que j'avais avalé dans le monde des ténèbres. Mon cerveau et ma vue furent changés tout d'un coup. Une puissance semblable à une décharge électrique me quitta. Le démon Beast qui était en moi m'avait déjà quitté. Avant même que je pénètre dans ce bâtiment, je me retrouvais habillé de blanc, d'un blanc étincelant. Sur l'écran étaient affichés ces mots, « Né de nouveau ». J'étais lavé de toute souillure et délivré des puissances des ténèbres. Sur l'écran apparut aussi ce verset de Jean 3:3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus reprit la parole et dit, « Tu es déjà entré dans mon royaume, le royaume des cieux, c'est par ma grâce que tu es sauvé. » En même temps, s'afficha sur l'écran le verset d'Éphésiens 2:8. Tout ce que le Seigneur disait était confirmé par des versets bibliques. Il me dit, « Regarde maintenant ce qui est arrivé à ceux qui étaient dans mon royaume, et qui en sont sortis pour diverses raisons. Sous mes yeux défila la vie de nombreux enfants de Dieu. L'écran ressemblait à un grand miroir de plusieurs dizaines de mètres de large. Je vis défiler plusieurs églises de mon pays et du monde entier. Jésus me dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Chacune de ces églises était dans les ténèbres, dans un brouillard où il était difficile de distinguer les personnes, même les dirigeants. Cependant, dans ce brouillard certaines personnes étaient dans la lumière, dans une salle où il pouvait y avoir 100 personnes. Je pouvais ainsi distinguer à peine 5 personnes dans la lumière. Dans une église je vis des centaines de démons sur une seule personne. Jésus me dit, « Ceux qui sont dans les ténèbres sont dans le camp du malin. Ceux qui sont dans la lumière sont dans mon royaume, mais ils peuvent encore retourner dans les ténèbres. » Puis je vis des enfants de Dieu se présenter par groupe devant moi sur l'écran. Le Seigneur me dit, « Ceux-ci n'ont pas écouté ma parole, ils n'ont pas gardé mes commandements que voici. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Un autre groupe se présenta. Tous ces groupes des chrétiens étaient remplis de démons de toutes sortes. Jésus me dit, ceux-ci quand ils sont venus à moi, n'ont pas coupé tous les ponts qui les reliaient au monde des ténèbres. Ils n'ont pas confessé tous leurs péchés. Ils n'ont pas respecté ma parole, qui dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Acte 19 verset 18. Ils ont fait une fausse repentance, pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas respecté ma parole, mon commandement qui dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2 verset 38. Parce qu'ils avaient honte, ils ont préféré l'étang de feu, plutôt que de confesser leurs péchés devant leurs frères. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jésus me dit, pour qu'il soit dans la lumière devant moi, il faut qu'il confesse devant les témoins tous les péchés commis avant leur repentance et après leur repentance. Sinon, ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. S'ils ne font pas honte à l'ennemi en confessant tous leurs péchés un à un, regarde ceux qui sont responsables de la destruction de mon peuple. Ils travaillent pour leur ventre. Ils enseignent pour leur intérêt. Ainsi, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Méfie-toi de ceux-ci car ils travaillent avec l'ennemi. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, et qui renient leur seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Jésus me dit, voici ceux qui les suivent et qui écoutent leur doctrine, leurs faux enseignements et leurs faux miracles. Puisqu'ils n'ont pas voulu suivre mes commandements, je leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Jésus me dit, cette grande foule que tu vois a abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, comme ils ne se sont pas souciés de me connaître, je les ai livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, Jésus me dit, comme tous ceux qui veulent suivre ma volonté, tu dois connaître mon jugement, je déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ceux que tu vois ici sont dans les ténèbres parce qu'ils ont été attirés par le monde et par les choses du monde, en particulier par l'argent. Le malin a choisi ce moyen pour détourner la grande majorité de ceux qui enseignent ma parole et de ceux qui l'écoutent. Ceux qui enseignent dépouillent ma maison. Ils sont tombés dans la tentation, dans le piège du diable, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Jésus me dit, à cause de leur passion pour les choses du monde, ma maison est divisée, elle est remplie de querelles. Ils ont rejeté cette parole. Sache que ma vérité est la porte étroite qui conduit toute personne dans mon royaume. À ce moment-là s'afficha sur l'écran le verset suivant. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Jésus me dit, quand tu parlerais les langues des hommes et des anges, si tu n'as pas la charité tu es un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand tu aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand tu aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Puis je me dis, ceux-ci sont passés par ce chemin, ils ont forcé l'entrée par cette porte et ils ont vaincu. Les voici, ceux dont ils parlaient étaient habillés en blanc, je les regardais, c'était quelque chose de merveilleux, je les voyais non plus comme sur un écran mais comme si j'étais perché sur une fenêtre, et que j'étais en train d'observer ce monde merveilleux. Jésus ramena mes yeux sur l'écran, où était affiché ce verset, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Jésus me dit, « Marche sur la fondation qui est ma véritable Église. » Ces versets s'affichèrent sur l'écran. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous. Selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Actes 2 verset 37-47. Jésus me dit, c'est là le chemin qui mène à la patrie céleste, pour éviter ma colère. Garde ton corps sans souillure, garde le commandement que voici, et pratique-le. Garde pur ton âme et ton esprit et pratique cette parole. Jésus me dit, garde tout ce que tu as reçu comme révélation de ma part. Si tu négliges un seul point, tu deviendras comme eux, tu retourneras dans les ténèbres, et ta condition sera pire qu'auparavant. Jésus me dit, tu connais maintenant qui est ton adversaire, tu as travaillé dans son camp, tu as combattu contre mon royaume. Je t'envoie maintenant vers ceux qui sont dans mon royaume, mais qui sont dans les ténèbres, pour que tu leur expliques pourquoi ils sont dans les ténèbres, et comment ils peuvent se libérer des pièges d'un ennemi que tu connais parfaitement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Jésus me dit, toute vérité qui n'est pas conforme à ma parole et qui est enseignée aux hommes n'est que mensonge et doit être rejetée. Méfie-toi de ceux qui viendront à tes côtés. Satan se servira d'eux pour s'acharner à reconquérir les positions perdues et à te ramener dans son royaume. Il va mobiliser toutes ses forces pour te détruire.
te dénigrer et te rendre pauvre. Il va chercher à utiliser toutes les personnes qui viendront te rejoindre. Il va chercher à te tromper en utilisant des déguisements, des contrefaçons et la ruse. Pour le vaincre, tiens-toi sur ma vérité. Consulte ma parole qui est le code de ta vie et garde le fondement qui est le Saint-Esprit en toi. C'est par ces moyens que Satan a réussi à détruire d'autres chrétiens. Et c'est par ces moyens que Satan fera tous ses efforts pour te détruire. Jésus ajouta, « N'aie aucune crainte, je suis avec toi, parle et témoigne en tout lieu où ma parole est acceptée, car j'ai dans ce monde un peuple nombreux qui périt faute de connaissances. » Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, partagez cette vidéo à tout le monde afin de sauver une vie, au moins. Nous comptons sur vous. La grande majorité a été détournée par des conducteurs qui servent leur ventre et qui servent l'ennemi. Ce sont ceux-là que le malin utilisera pour te combattre. Ce n'est pas toi qu'ils combattront, mais moi. Et donc cette assurance dans ton âme, tiens-toi seulement sur ton chemin, en prenant toutes les armes que tu as eues aujourd'hui. Jésus me dit, si tu n'as pas ces armes, tu ne pourras pas tenir. Tu dois savoir que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, Jésus ajouta, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps et ce temps est déjà arrivé, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens n'aiment plus qu'on leur dise la vérité sur leur péché. Ils veulent plutôt qu'on embellisse leur péché au travers de bonnes paroles. On leur prêche sur la prospérité. C'est pourquoi le diable aussi profite de cette belle opportunité pour avoir des hommes de Dieu qui vont leur dire des choses qui vont leur plaire. Mais ce sont des trucs bien entendu qui vont les emmener dans un lieu de douleur. Mais l'enfer, ça ne plaît pas à quelqu'un. Mes frères et sœurs, c'est le moment d'apprendre à écouter Dieu et de marcher selon ses voies. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Les choses sont claires ici. Dieu a tenté de nous parler ouvertement pour nous donner toutes les armes qu'il faut pour être vraiment bien équipés. Je pense que là, nous comprenons tous de quoi il s'agit. Maintenant. La vérité, et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Jésus me dit que je devais savoir que je serais persécuté. Ce verset s'afficha alors sur l'écran, comme tous les autres. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3. Et c'est la vérité. La persécution se trouve sur ce chemin-là. Si on vous dit que c'est facile de marcher avec Dieu, c'est faux. Comment ça va être facile? Si des démons, des milliers de démons sont après vous et vous combattent nuit et jour, mes frères et sœurs, gardez la foi, avancez avec le Seigneur Jésus-Christ et il vous aidera. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Jésus ajouta, mais je te promets une chose, écoute ma promesse. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses enfants ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons sept des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus me dit, je viens bientôt. Ce verset s'afficha sur l'écran, pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Jésus ajouta, le monde sera surpris. Le verset suivant apparut sur l'écran. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Jésus me dit, il faut que tu vives dans la sainteté, non seulement dans la sainteté mais dans la pureté, parce que la nouvelle Jérusalem n'est pas bâtie avec des meurtres, de la haine, de la jalousie, des médisances, et du manque d'amour. Ne viens pas dans ma maison l'Église pour être servie mais plutôt pour servir. Aucune des choses suivantes ne doit se trouver dans la nouvelle Jérusalem. Le vol, les mensonges, l'hypocrisie, les passions du monde, les convoitises, et l'idolâtrie sous toutes ses formes. Voici le message que tu donneras à ceux qui te recevront en mon nom. Mais je te préviens que tu seras rejeté par les fils de la perdition, comme j'ai moi-même été rejeté par eux aussi. Voici ce que Satan fait dans les églises, il pousse les hommes et les femmes à l'idolâtrie.
c'est-à-dire à remplacer le culte en esprit et en vérité par des danses pornographiques. Dans What? C'est quoi ça? Ce que nous venons d'entendre est grave, hein? Hey, vous avez entendu en même temps que moi. Vous êtes là? Oui. Dieu nous parle vraiment ce soir. Oui, c'est-à-dire à remplacer le culte en esprit et en vérité par des danses pornographiques. Dans les églises et dans le monde, il multiplie les prodiges et les miracles. Et il se déguise en ange de lumière pour tromper même les élus. Il envoie des faux seigneurs, des faux sauveurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs et des faux Christ. Et les faux pasteurs sont en général ceux-là même qui prêchent sur l'évangile de la prospérité, en général. Donc, quand vous voyez ça, ne dites pas « Oh, les hommes de Dieu ne sont plus comme ça, ne sont plus comme ça. » Ce sont des faux. Donc, ce sont les signes qui sont sur eux pour montrer qu'effectivement, le diable est là. Donc, ne soyez pas étonnés. Ha. Des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs et des faux Christ dans le monde. Il poussait les gens à adorer des créatures terrestres, vedettes ou hommes politiques, des jeux ou toutes sortes de plaisirs mondains. Dans les églises, il dénigre les écritures et il pousse quelques-uns à mutiler et à affaiblir la parole de Dieu. Il a pris la direction des écoles de théologie et des écoles bibliques pour fausser complètement le sens de ma parole. Il a multiplié les sciences dites spirituelles et les sectes dites spirituelles. Satan divise l'église, qui est mon corps pour mieux régner. Il tisse des réseaux d'envie, de convoitise, de haine, de tromperie. Il pousse ceux qui ont été victimes de ces choses à la colère, à la vengeance, à la révolte, à la cruauté et à l'injustice. Il pousse les dirigeants chrétiens à utiliser la corruption mentale pour remplir leurs églises et à suivre leurs propres intérêts au lieu de chercher à sauver les âmes qui périssent. Quand l'homme est loin de Dieu, sans le Saint-Esprit et comptant sur ses propres forces, il devient un jouet entre les mains du diable qui est son ennemi, ne compte pas sur la multitude. Le salut est personnel, dit la vérité à tous sans faire de considération de personne. Jésus reprit, c'est dans cette vérité que tu dois marcher. Ne cherche pas la gloire des hommes, ne tords pas ma vérité par intérêt personnel, car c'est à cause de ces choses que ceux-ci seront jetés dans l'étang de feu. Ils se disent mes envoyés mais ne se tiennent pas dans la vérité, ils sont pires que les scribes. Ce verset s'afficha, gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robe longue, et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Jésus me dit, garde-toi de commettre comme ceux-ci le péché impardonnable. Ils ont rejeté mes prophéties et mes visions, estimant qu'elles venaient du diable, ils sont donc impardonnables. Le verset de Matthieu 12, 31 s'afficha. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Ah. Jésus ajouta, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose fais connaître tes besoins à celui qui t'a délivré pour la gloire du Père, et adresse des prières et des supplications en mon nom au Dieu vivant, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, mes frères et sœurs. Avec des actions de grâce. Cette image nous rappelle que Jésus est Seigneur et que Satan c'est un menteur. Regardez comment il a menti à cet homme, à ce pauvre homme. Il a endoctriné en se faisant passer pour Dieu lui-même, pour celui-là même qui a la puissance. Alors qu'il n'a même pas la puissance. La situation que ce dernier a traversée l'a plongé dans une autre dimension. Là où c'est des ennemis physiques sont venus l'attaquer, les démons n'ont rien pu faire, sinon des anges eux-mêmes qui sont venus le secourir, le garder, même l'empêcher de faire des sorties astraux ou encore des sorties de son corps. Et ce sont encore les mêmes anges qu'ils ont protégés contre les démons qui venaient même là-bas. Pourquoi? Franchement, quand Dieu a choisi quelqu'un depuis le commencement de la planète, même si cette personne devient féticheur, même sorcier, Dieu viendra toujours délivrer la personne parce que sa main est déjà sur cette personne et qu'il a déjà choisi. Et regardez la suite. Cette personne qui était occultiste est devenue un vrai chrétien, plus vrai chrétien que vrai chrétien et dénonce les œuvres du monde des ténèbres. Et tout ce qui se passe dans l'église.
Qu'est-ce qu'on retient? On retient que Jésus est Seigneur et Satan, c'est un menteur. Ça me fait rire, mais c'est la vérité, c'est ce qu'on retient. Et qu'il faut marcher sur la voie de Dieu, malgré les difficultés, ne pas se laisser berner. Il faudrait que notre foi soit solide. Il faudrait que nous ayons la parole de Dieu pour appui tous les jours. Ah, mes frères et sœurs, c'est un témoignage puissant. C'est pourquoi nous avons ajouté quelques éléments et vous allez...